Bonjour YouTube, bonjour la VOD, j'espère que tout le monde va bien. On est reparti pour les aventures d'Ursulet. Et du coup, j'ai beaucoup réfléchi. Vu que nos Sims ne sont pas affreux, on va prendre la pire. Vie, c'est quoi? Mais merci beaucoup Squeak encore pour tes 100 bits. Vous faites vraiment un concours là, par contre. Du coup, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre. Ça lag. Ah, démarrer le jeu, hein. Attendez. Pourquoi ça lag? Allô? Allô le jeu? Ah ça c'est bon. Voilà, n'oublie pas la... Ouais, c'est ça. N'oublie pas la cloche. Bah alors, soit Frénégonde, soit Renette. On va regarder. Quelqu'un a parlé de concours de Quelqu'un a parlé de concours de bits? Merci Marlu pour les 100 bits. Oui, c'était Jean-Eudes le plus BG. Ouais, de ouf. Alors attendez. On va se les remettre de visu là parce que. On va se les remettre de visu parce que j'ai un peu oublié leur tronche, moi, depuis une semaine. Allô? Ok. Allô? Le jeu? Le jeu? C'est terrible les temps de chargement dans les Sims 4 là. Hein. En plus ça va, je ferai un... Ouais, c'est ça, ouais. Coucou Stormbringer, comment ça va? Je suis d'accord, je peux le dire haut et fort, Jean-Eudes est le plus beau. Alors, ils sont tous partis, donc on va attendre la fin de la journée. Alors, je leur ai enlevé leurs cheveux. Pourquoi toi, t'as des cheveux? Ah non, t'as un bonnet. J'ai enlevé tous ces cheveux pour qu'on les voit. Pourquoi vous n'allez pas à l'école, en fait? À discuter avec Jean-Eudes. Bah, fais tes devoirs, en fait. Voilà, comme ça tu nous fiches la paix. Salut les physiques ingrats, coucou le Turim. Alors, nous avons. Au pire, on les mettra dans le CUS là. En vrai, on avait déjà bien avancé la maison. Hein. Et je crois que j'ai trouvé une solution. On va virer les meubles, je sais pas trop. Qu'est-ce qu'il y a? Le prochain devoir de Renette est un projet de groupe. Les autres élèves du groupe sont tous plutôt bons en classe. Doit-elle tenter de contribuer autant qu'eux au projet ou les laisser faire le travail? Tu participes? On est où là? Portrait de grand-père. Ce qui devait être un portrait émouvant du visage émacié d'un grand-père ressemble davantage à un cookie aux flocons d'avoine. Ursula peut continuer à peindre ou changer le titre de la toile et le considérer comme terminé. Continue à peindre. Par contre, je veux. Ah, mais non, mais elle est au boulot, je peux pas voir son truc. Merci beaucoup, Fébusa, pour le follow, bienvenue. Gain de performance moyen. Ok. Oh! Est-ce que vous pouvez rentrer à la maison éventuellement? Percer dans le journalisme, quoi? En levant la tête, Salim. Donc, ça... qu'est-ce qu'il dit? Salim voit sa rédactrice en chef appuyer sur la porte de son bureau, un sourire espiègle sur le visage. Elle tient un papier et lui demande: Tu sais ce que j'ai dans les mains? Salim lui fait non de la tête, curieux d'en savoir plus. C'est un courrier du siège du Post-Time. Il demande spécifiquement ton aide pour écrire une rétrospective sur la convention geek, qui sera Ne fais intégrée à pas un article attention à diffusé à moi, c'est l'international. pour Qu'en les meutes, penses-tu? vive la bière. Grand putain. Merci beaucoup Squeak pour les 200 bits. Aïe aïe aïe. Et bonjour Fébusa, j'espère que tu vas bien. Non, au secours. Eh ben GG du coup pour ton émo de bière. Aïe aïe aïe. Merci beaucoup pour le train. Merci beaucoup. Vous êtes trop les poupous. Avoir un article publié à l'international serait bien sûr une aubaine pour Salim. L'opportunité de gagner de l'argent et de se faire connaître, on m'a dit argent. Mais est-il vraiment prêt à gérer le niveau plus élevé d'attention que cela? Bien sûr. On va pas cracher sur de l'argent. On en est où là? On s'en fout ça. Est-ce que éventuellement on peut rentrer de l'école? Qu'on puisse... Ah mais je peux déjà en fait voir dans le machin là. Attends. Les enfants sont grands. Salim peut donc passer plus de temps au travail. Non mais Frénégonde, elle a la voix de sa mère. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, voilà la tronche de la daronne. Oh là, elle est d'une beauté. Oh là là là, elle me fait délirer, elle est trop belle. Ça c'est le papa. Ça c'est Renette, c'est la première.
Alors regardons la tronche. Renette, en vrai, c'est hoquetière. Renette, elle est hoquetière. Elle a les mêmes yeux que sa maman. Elle a le même menton. Mais le nez, il est ok. Les oreilles, elle les a pas non plus. Elle a une tête un peu large, mais ça va en vrai. Ça, c'est une tête normale. Ça, c'est une tête large. Coucou Seb, coucou. Comment ça va? Donc en vrai, à part le menton, elle est comme Jean-Eudes. Hein. Puis les yeux. Jean-Eudes, c'est le mieux. Il tire un peu la gueule, mais il a pas le menton. Enfin, il l'a un petit peu ici. Mais il a pas le menton qui ressort, ni le nez. Mais les deux là, Renette et Jean-Eudes, ils ont la couleur de peau. Un vrai mannequin, Jean-Eudes. Hein. Alors que Frénégonde... Oh. Une jolie jeune fille. C'est un tirage au sort initial, les parents, ou tu as vraiment choisi? Ça, c'est celle qu'on a fait. Mais je pense qu'on a eu la main trop légère, mais... Et ça, c'est le papa qu'on a choisi génétiquement. Là, ils sont âgés, mais... Donc du coup, je sais pas lequel on va choisir, mais je pense qu'on va partir sur Frénégonde, en vrai. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est elle la pire, mais en même temps, elle a la couleur de peau... Elle a vraiment la tête plate au-dessus. Non, mais elle, niveau visage, c'est elle la pire. Hein. Parce que lui, il a pas... Ouais, elle a vraiment la forme de la tête. Oui, c'est une tête normale. Elle a vraiment la forme de la tête. Je pense qu'on va partir sur Frénégonde, en vrai. Aucun a pris le physique gracieux de la mère. Non, mais je suis d'accord. On a perdu le nez et tout directement. Les oreilles... Franchement, c'est un peu décevant. Après, comme on le disait, la génétique dans les Sims, le souci, c'est qu'en fait, ils font pas une moite-moite des gènes. Ils prennent un truc, quoi. Oh, le menton, non mais oui. Coucou Shindar, comment ça va? Donc elle, on a dit qu'elle était dark, elle ressemblait à Morticia. Alors il nous faut la coupe de Morticia. Je sais plus laquelle c'était. Je leur remets des cheveux, hein, les pauvres. Elle est dark. Mais vraiment, je pense que c'est Frénégonde la pire. On va prendre Frénégonde. Tiens. Ah non, mais franchement, ça va, ça va. Voilà, et sainte sa mère aussi. Et savonnette. Mais monsieur. Elle faisait quoi? Elle était sportive, sûre d'elle, active. Du coup, faudra qu'on lui mette, si on choisit elle, il va falloir qu'on lui mette le trait le plus pourri en troisième. Qu'on se rajoute des difficultés. D'ailleurs, on va rajouter des difficultés dans les terrains de la maison aussi. Même le reste du corps, ils sont plus autant différents. Mais ouais, de ouf. Oh, vas-y. Tant, t'es sportive, on avait dit. Est-ce qu'il y a une coupe de cheveux de sportif un peu? Tête de sportive, là, y a pas une petite tête de sportive? Pas trop une tête de sportif, ça. Y a pas une coupe de cheveux? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme coupe de cheveux de sportif? Je sais pas. Qu'on peut lui mettre comme coupe de cheveux. Y a pas trop de coupe immonde. Une queue de cheval? Ouais, ou des cheveux comme ça, là, bien serrés sur le crâne, là. Ça me fait mal rien que de regarder. Ça doit tellement tirer les cheveux, le crâne et tout. Ça, je me dis que c'est ok en vrai. Après, elle est pas censée avoir des gènes de cheveux Kirby, quoi. Moi, je pense que ça, c'est ok, ouais. Non?
Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Je sais pas. Sinon, juste une couette. Ouais, mais non, tu cours pas avec un truc comme ça dans les cheveux. Et vous savez, on va faire un peu le perso de ma prof d'aérobic. Ouais, ça lui va bien. Bah en fait, elle est pas mate de peau, hein. Elle a la peau normale, en fait. C'est les autres qui sont gris. Elle est sportive, elle. Elle est sportive. Mais on va lui mettre un trait de merde, en plus. Est-ce que je t'avais changé tes habits, Frénégonde, ou pas? En vrai, on va te laisser comme ça. T'es magnifique, ma chérie. Et alors, lui... Jean-Eudes, on va lui mettre une petite coupe de premier de la classe. En vrai, ça lui va parfaitement bien. Dread Joker. Attendez, je les habille vite teuf. Putain, elle me fume avec ses lunettes de ski, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Alors, elle est sportive. Elle fait trop rire. Attends, t'es sportive. Ça, c'est bien, ça. Ouais, parfait, ma chérie. Ouais, ça, c'est bien. Ah, voilà, le sport. Le sport, montre ta musculature au monde. Vas-y, Frénégonde, donne tout. Oh, que t'es jolie. Non, non, mais là, c'est bien, on voit ton bidon et tout. Va travailler au McDo, Jean-Eudes, de ouf. Ah bah oui, on va le mettre dans les fast-food. C'est quoi, des contracts? C'est bien ça, des petits froufrous. Montre-nous tes beaux bras musculeux. Voilà, c'est bien, on s'en fout. Ça, c'est quoi, ça? Pour aller se baigner? Non, non, tu mets ça. De toute façon, ils vont jamais aller se baigner, ils verront jamais la mer. Non, mais là, par contre... Sportive, jusque là. Sportive branchée, bien sûr. Oh, une parka rose. Oh, t'es magnifique. T'es beau, t'es beau, t'es beau, t'es. Allez, hop. Coucou, Espy. Comment ça va? Mais oui, ça fait longtemps. Non, mais Jean-Eudes. Jean-Eudes, il me termine. Mais pourquoi il change de cheveux? Attends, attends, attends. Jean-Eudes, je t'ai mis une coupe... Allô? Je t'ai mis une coupe de premier de la classe, merci de... Oh, celle-là, elle est encore pire, en fait. Elle est parfaite, celle-là. Une bonne tête de premier de la classe, en vrai. Par contre, qu'est-ce que c'est que ce croque-top? On en parle ou pas? Oh, courage, Espy, courage, courage. Je touche plus à rien. Mais on va pas le laisser habiller comme ça, Jean-Eudes. Mais non, mais le pauvre... Vous êtes des monstres. Alors que ce style lui irait tellement mieux. Un short avec ce top, il est parfait, mais laissez-le. Bonjour, Juste Mona, bonjour. On fait un petit challenge, le Génération Leader. Coucou, Croclear, comment ça... Mais ouais, il va se faire bouler à l'école. Oh non, par contre, ça, on lui laisse son chapeau rose, on lui laisse. Avec son Marcel horrible. Remets le croque-top, fais-nous confiance. Non, 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 il faut qu'il nique un moment. Hein. Coucou Bebaz, comment ça va? Oui, il est encore... Il a la couleur de peau de sa maman. New Miv, Lennart. Tu veux qu'on lui mette le croque-top ici? Attends. Comme ça, il aura quand même un croque-top. Je sens que ça te tient à cœur, le croque-top. Bah, il est où, le croque-top? Donne le croque-top. On lui a mis. Mais oui. Croque-top, bien sûr. Il est obligé de mettre un Marcel comme ça, hein, sans forme. Pour mettre son physique en avant.
Merci juste Mana pour le follow, bienvenue à toi. Non mais franchement... Qu'est-ce que c'est? Non mais on est obligé de lui laisser cette chemise. On peut même lui mettre la chemise verte. C'est très beau, très beau, très beauf. Et merci Appel pour le follow. Bienvenue. Mais Espy, commence pas! Voilà, il est parfait. Livy sandales. Oh, il est trop mime, c'est le chapeau. Merci beaucoup, Espy, d'avoir offert un abonnement à Guy. Merci beaucoup. Ok, pour la chemise, mais pas avec un short. Bah, c'est pour la tenue de quand il fait chaud. Tu voudrais le mettre avec quoi? Pour me faire pardonner, mais te faire pardonner de quoi? Mais enfin... Oh, on est obligé. On est obligé. Te faire pardonner de quoi? C'est pas mal ça. Tu veux pas avec un short, tu voulais avec quoi? Avec une jupe? Je sais pas s'il y a des jupes. Merci Anna pour le follow, bienvenue. Un corsaire en toi. Mais non, mais il est très bien. Ou alors avec un mini shorty. Oh, il est parfait. Il est parfait. Du fait que je ne suis pas là en ce moment, mais t'inquiète pas. Tu vas pas te faire pardonner enfin, tu fais comme tu peux. C'est un ado. Il est magnifique avec ses gros godillots. Même pas de slip, y a pas de... Bah non, je crois que ça... Il va falloir quand même qu'il... Hein? Parce que du coup, même si on choisit Frénégonde, les autres, va falloir qu'ils se reproduisent. On va pas se laisser... Ah oui, je voulais changer les traits de terrain. Je voulais qu'on se mette un peu une difficulté quand même, parce que c'est un peu facile. On a mis quoi? Ah oui, ça c'est pour avoir des triplés, quel enfer. On se met un truc dur? C'est où les trucs durs? C'est ici. On peut se mettre un tremblement de terre et une activité volcanique. Voilà. Là on va winner dans les chaumières. Zgung. Allez, on y va. Oh, mais il me fait tellement flipper. Mais regardez-le. Il me fait trop peur en vrai. Il est en slip hein, d'ailleurs. Écoutez, moi je lui ai pas dit de se mettre en slip, mais il a envie. Hein. Ils tirent tous tout le temps la gueule, ça me fume. Je sais pas si on va réussir à un moment donné à se séparer des voix par contre. J'ai dû louper un épisode, je croyais que tu voulais repartir de zéro et refaire Ursula. Bah du coup en fait, c'est ce que je disais, c'est que quand j'ai regardé Ultia faire le challenge, elle a une perso de base encore pire que nous, et honnêtement les gosses étaient ok tiers. Donc en fait c'est ça, c'est que la génétique dans les Sims, c'est pas genre ils prennent moite des gènes, c'est soit ils prennent le gène, soit ils le prennent pas. Donc du coup on pourra peut-être faire le truc le pire au monde, ça, on arrivera certainement à la même solution du coup. Merci pour ton lurk Salazar, des bisous. Donc du coup ça serait s'asseoir sur 15 heures de gameplay pour finalement pas grand chose. Voilà. Qu'est-ce qu'elle dit? Renette n'est pas la première élève de l'établissement à avoir des C. Comment ça t'as un C? Il faut que tu travailles. Quoi? Mais ils sont où tes devoirs? Ils sont là. Faut faire ses devoirs en fait, je t'explique. Du coup, il va falloir qu'on fasse les chambres, je crois qu'on les avait pas fait. Ouais, voilà. Elle est tendue, Félix. Alors, attendez. On va leur refaire des chambres. Bien sûr, nous avons Ursula qui veille au grain. Ça dégage. Ok. Donc, on a Jean-Eude, premier de la classe. Qu'est-ce que c'est tout ça? Oh, mais c'est affreux, ça se dégage. Ah, par contre, des bougies caresses, ça, c'est ok, tiers.
C'est quoi ça? C'est quoi? C'est moche, ça dégage. Ça aussi c'est des cadeaux, on n'en veut pas. Coucou Manzel, coucou Sin, comment ça va? Ça me donne envie de jouer aux Sims. Non mais ça donne trop envie de jouer aux Sims, c'est un truc de ouf. En fait, je trouve ça trop bien, le fait qu'on ait des challenges. Les challenges, ça redonne trop d'objectifs, c'est trop cool. Donc du coup, on a une sportive. Et on a... Ça m'angoisse, ça sent pas centré. On a une sportive et on a Jean-Eude premier de la classe. Premier de la classe, on va le faire un truc un peu prout-prout. Mais en même temps, il... Ouais, on va lui faire un truc un peu prout-prout. On va lui faire un truc un peu prout-prout. Stuc. Y a pas un truc genre... Oh, oh. Ça, c'est gorgeous, quoi. Non, mais ça, on le met, hein. Ça, c'est complètement prout-prout, non? Coucou Slator! Comment ça va? Ou alors ça? Ça, c'est complètement prout-prout aussi. Vas-y, ça, c'est pas mal. Hello, t'es les sportives? Attends, mais qu'est-ce que tu... Qu'est-ce qu'ils aiment, les sportifs? Ils s'en foutent, les sportifs, ils s'en battent les couilles. Ça, on dirait une salle de bain. Après, qui dit salle de bain, dit salle de sport. Alors que ça, ça fait encore plus prout-prout. Ah, mais j'aimerais bien lui mettre des tons bleus. Enfin, bleu... Ah, c'est affreux. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre Qu'est-ce qu'on peut lui mettre? Ça, c'est affreux, ça. Ça, c'est pour une salle de bain, ça. Alcoolique dès le plus jeune âge. On peut en rendre alcoolique, hein. Je sais pas trop, sportif. Je sais pas trop. Moi, je sais pas trop mes domaines. C'est vrai que je fais tout le temps un peu la... Oh, on lui met une maison de grand-mère. Oh, juste envie de lui mettre une maison de grand-mère, en fait. Juste, il va être vieux, en fait. Jean-Eude, il va être vieux. Jean-Eude, il va être vieux. C'est obligatoire. Je sais pas trop quoi mettre pour Frénégonde. Ça, c'est affreux. On peut lui faire une chambre genre à thème de couleur, hein. La peinture blanche. Ouais, c'est un peu ça, hein. On peut mettre tout en full blanc. On peut mettre tout full blanc. On peut lui mettre tout full blanc, hein. Coucou Graoul, comment ça va? Et bon courage, Majo. Des bisous, des bisous. Par contre, lui, on va lui faire un truc de kéké. Je le dis d'avance que lui va avoir une chambre de kéké. Attendez. Chambre. Oh là là, y a pas un truc avec des... Oh, genre, ah, c'est si cher. L'immersi mamie, hein. On est obligé de lui mettre un l'immersi mamie. 3500. Oh, on va lui mettre celui-là, hein. Petit belle fleur. Oh, avec des... comme ça, là. Oh ! Ah, mais ça, c'est rouge. Le cinquième de la ligne. 1, 2, 3, 4, 5. Celui-là ? Ah, c'est vrai qu'il est pas mal aussi. Il fait bien mamie. C'est vrai. Oh non, non, non. Chut, chut. Ok. Celui-là, il est rigolo aussi, c'est vrai. C'est vrai, et en plus, il est moins cher. Oh ! Non, mais oui. Non, mais oui. Qu'est-ce qu'on lui met comme couleur ? Oh !
Ah non, mais ça fait vraiment le duché, quoi. Coucou Linail, comment ça va? Alors qu'un futon et un oreiller, alors que finalement, une couverture sur le sol. Hello télésportive, on va lui mettre un lit traditionnel, hein. Pas trop cher, combien? 900. Un lit rustique. Un futon double. C'est très bien un futon, c'est bien pour le dos. Je sais pas quelle couleur, on va regarder. C'est très bien pour le dos les futons. Alors. Tapisserie de grand-mère, ça me termine. Non mais là c'est parfait en fait. Là c'est juste parfait. Ah oui, et là je voulais mettre tout full blanc. Ouais mais ça du coup on peut pas faire blanc. Bah on va faire comme ça. Coucou Françoise, coucou. J'aime bien la mode de grand-mère. Ça me rappelle un temps que je n'ai pas connu. Attendez, quoi? Parfait ça. Ok. Les trucs de grand-mère. Hein. Bon truc en gros bois, bien bois. Là. Oh là là. Ouais mais attends, 325? Oui alors que celui-là, moins cher quand même. Est-ce qu'il y a une couleur qui va avec? C'était quelle couleur ça? Une espèce de gris. Et ouais, c'est dommage aussi. J'ai de le mettre en blanc. Ah, c'est dommage. Il n'y a pas un bon gros bois dégueu, là? Eh non, ça, c'est dommage. Il devrait mettre un bon gros bois. Tant pis, on va mettre ça. Coucou, les 10 nuages! Coucou, comment ça va? Tous ces lives m'ont fait acheter beaucoup trop d'extensions. Mais non, mais non, mais non. Bou 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 bou. Guéridon, voilà, un petit guéridon. Qu'est-ce qui va avec ça? C'est quoi le nom de ce truc? Futon double, y a rien de... D'accord. Est-ce qu'il y a une couleur qui va néanmoins? Ça va pas avec. Hein. Pardon, ça, je commence déjà. Y'a pas un espèce de, une espèce de couleur qui va avec là? Ah, c'est pas mal ça. Ok. Ça va, oui, merci. Ça va, ça va. Poupoupoupouloulou. Paf. Ça, c'est pas mal. Ok, ensuite. Commode. C'était quoi ça déjà? Guéridon expérimenté. Y a pas genre un... Une commode affreuse? Ah oh, mais non, mais elles sont beaucoup trop grandes. Mais ça prend toute la place. Ça prend toute la place. Ils sont fous, eux. Moi, ça serait celle-là, quoi. C'est un peu les mêmes couleurs, mais tant pis. Après tout, ils sont jumeaux. Hein. Putain mais elles sont si grandes les commodes, ça me fume. Hop. Coucou Exodus, coucou. Comment ça va?
Qu'est-ce qui va corriger les copies de brevet blanc parce qu'on manque de profs? Ouais, ouais. Ouais, courage, Françoise. Ça doit pas être un moment très facile. Qu'est-ce qu'on rajoute d'autre? Il faudra qu'on finisse aussi de s'occuper de ça, de cette chambre. Elle a eu de la chance, Renette. Genre, Renette, elle a un bureau et tout dans sa piole, ça me fume. Ça me termine. Des petites lampes, là. Petites lampettes. Bisous, Perceval. Bon après-midi à toi. Dis bisous. Ça, je crois que c'est ma lampe préf du jeu. Voilà. Alors que lui... Éclairage. Ok. Qu'est-ce qu'il y avait comme lampe chez ma grand-mère? Genre un truc comme ça. Mais non, mais ça coûte une fortune. Ça va, hier j'ai relancé les Sims pour m'essayer à la création d'un Sims moche. Et après j'ai passé ma soirée à faire sa maison. Bravo! Ah bah, je suis désolée. C'est pas de ma faute. J'ai rien fait. Je crois qu'elle, c'est vraiment ma préf de lampe. Et je la trouve trop stylée. Pipoupam, pim. Non, voilà, hein. C'est tout, hein. Je vois pas ce qu'on peut rajouter d'autre, hein. On va pas non plus leur donner une chambre incroyable, hein. Des rideaux, ouais. Est-ce qu'il y a genre des rideaux? Des rideaux, genre je suis une star, quoi. Ouh. Pourquoi ils veulent pas se mettre, en fait? C'est quoi le problème? Au secours. Pardon? Ils sont affreux ceux-là. Je peux pas mettre ça. Oh, ça c'est immonde aussi. Je crois que je joue aux Sims. Qu'à chaque fois que je joue aux Sims, la création de maison me prend 5 fois plus de temps que le Sims. Ah bah oui, oui, moi j'aime tellement. D'ailleurs là j'ai fait que de construire là pendant 2 jours. Lundi, mardi, j'ai fait que de la construction, j'étais trop refaite. J'aimerais un truc prout-prout. Y'a pas de truc prout-prout? Parce que ça c'est vraiment moche. Je veux bien, mais... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en truc prout-prout? Ça, hein, franchement, ça fait prout-prout, mais les couleurs sont horribles, je trouve. Des bisous, hémoglobine, des bisous! Ça aussi, c'est bien prout-prout, mais... J'ai pas l'habitude hein, de faire des trucs moches, là. J'ai pas grand-chose comme rideau. Faudrait que je regarde dans les extensions s'il y a des trucs avec des rideaux. Moi, c'est surtout pour ça que j'achète des trucs. C'est plus pour les... Et ça, en vrai, attends, ça se tient. C'est plus pour la déco, quoi, que j'achète les rideaux, moi. Des trucs... des packs. Ouh, ça, c'est bien, ça. Arrête. C'est raccord dans la mocheté. Oui, c'est ça. Non, mais complètement. Bah, j'essaye d'être cohérente, mais c'est difficile. C'est franchement pas évident. Ouais, mais là, il faudrait une barre, tu vois. Et ouais, mais là, il passe pas. Sinon, mais pareil que ça sort. J'ai commencé à faire un espèce de gros loft là. Parce que je regardais la maison qu'avait choisi Ultia et j'avais envie d'essayer de faire une maison. Je peux vous la montrer si vous voulez. Elle est énorme. On n'a jamais assez de packs. Bah ouais, de ouf. J'ai abandonné ma dernière partie à cause de ça. À cause de quoi? À cause du fait que tu passes trop de temps à faire de la déco? Moi j'aime trop. J'aime trop faire de la déco.
C'est quoi ça? Oh. Oh, sous la fenêtre, j'aime pas trop mettre des lits. Même IRL, c'est pas très bon. Par contre, on peut lui mettre un miroir affreux. J'aurais pu lui mettre une coiffeuse. À la place de la commode, tu lui mets une coiffeuse. Oh, est-ce qu'il y a des... Oh oui, ça serait trop bien. Non mais voilà. Non mais voilà. Une coiffeuse. Je sais pas pourquoi j'ai jamais pensé à mettre une coiffeuse. Que elle est très simple. Ah mais ça, ça fait de la lumière. Ses habits, il les range où? Il se change pas. Il ne se change pas. Voilà. Il ira chez sa sœur. Le problème, c'est qu'il y a le miroir. Du coup, ça rend pas très bien. Mais moi, je trouve qu'elle est bien au-dessus du lit. Allez, on met des tapis et puis c'est terminé. Ça m'a coûté cher ce con. Est-ce qu'il y a un tapis prout prout pas trop cher? Wow, oh, il fait la taille de... Un bon niacarien. Ça c'est gorgeous ça. Est-ce que je peux le mettre plus petit? Ouais, c'est encore mieux. Là il est parfait. Il est parfait, il a été fait pour le tapis en fait. Ok, très simple. Franchement, c'est ok. C'est ok tiers. Je pense que ça, c'est ok. Voilà. Par contre, on va leur mettre des babioles. Hein. On va leur mettre des babioles. Genre, est-ce que tu voudrais pas une petite plante? Moi, je pense que t'as envie d'avoir une petite plante, en vrai. Voilà, une petite plante. Portrait de maman, ça me fume. Bah après, quand ils disent que c'est quoi, ce qui est bien avec ce jeu, ça satisfait tout le monde. Moi, je trouve qu'il y a plein de frustrations quand même dans plein de trucs. Je trouve. Hein. Alors lui, on va pas lui mettre une plante, mais on va lui mettre un bouquet dans un... Oups, t'as vu la taille du pot? Mais ils sont énormes les pots. Mais... Ah oui, mais on peut les mettre plus petits. Genre... Et ouais, mais on peut pas les bouger, on est obligé d'être là, tant pis. Toi, dans les placements et tout, je trouve que c'est trop frustrant. Voilà. L'objectif, c'est qu'ils forniquent dans leur chambre, hein, chacun. On va peut-être lui mettre des rideaux. Après, j'ai plus de sous. On va lui mettre un rideau de sportive. Voilà. C'est parfait. Mais oui, c'est vrai que c'est pas mal. C'est quand même pas mal. Voilà. Écoute, ils ont chacun leur chambre. Ah, mais attendez! C'est quand même pas moi qui vais payer l'électricité, hein! Vous aurez une bougie. C'est des bougies, ça? Oui. Vous aurez des bougies. Pas plus, pas moins. Voilà. Oh bah ça, c'est pas... Non mais... Ça a été fait pour. Je suis désolée, ça a été fait pour. Bougie flottante. Voilà. C'est bien. Toi, t'as pas... Si t'as des bougies en plus, c'est bon, t'en as là. Ah non, non, on va pas payer l'électricité, hein. J'avais oublié. J'avais oublié, mais hors de question que je paye l'électricité, hein.
C'est quoi ça? Kit de médecin, qui t'a donné ça? Et ça là? Hop. Ça c'est quoi? Projet scolaire. Ça se vend. Parfait. Et ici? C'est fini? C'est fini. Hop. Ben voilà. Ça sert à quelque chose ces gosses. Les devoirs sont faits. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi là un bouquin? Parfait. S'il te plaît, Renette. Répare. Et il est stylé lui en vrai. En vrai j'aime bien lui. Mettons-le ici. Ça fera un peu de déco. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est triste, personne lui a souhaité son anniversaire. Tu t'en remettras. Par contre, il va falloir que quelqu'un nous apprenne le dessin. Allez. Il va falloir que quelqu'un apprenne le dessin. T'en auras d'autres, exactement. Elle, elle a pas envie de peindre, elle me fatigue, elle. Pourquoi tu dors dans le lit de ta vie, en fait? En vrai, elle est tellement stylée, cette toile, je l'aime trop. Cherchez l'inspiration. Pilote, il est toujours en slip, mais ça me fume. C'est bon, t'as cherché l'inspiration, t'es inspirée? Elle est tendue, a besoin de vacances. Oh, on est où là? C'est bon, c'est bon! Travail, travail! Oh. Zoomiform, Femaya. Argan Orga Flash. Ici. Ça me fume de voir ses dents à chaque fois. Ah putain, je peux pas bouger. Vas-y, je suis salée. Vas-y, j'avais trop envie d'avoir une toile de Frénégonde. Attends. Attends, attends. Bon, si, fais-la, ça fera de l'argent. Qu'est-ce qu'elle a? Elle aime la peinture? Oui. Elle te fera comme maman. T'aimeras bien la peinture. Magnifique. Très beau dessin. Toile en jouet. Putain, mais c'est... Ah non. Toile joueuse. Frédégonze est sûre d'elle. Les Sims sur deux sont bien dans leur peau et bénéficient souvent d'une confiance en eux supplémentaire. Fait chier, va falloir qu'on lui enlève son trait, en vrai. Il va falloir qu'on lui enlève son trait et qu'on lui en mette un pourri si on garde elle. Bon, tu finis ton tableau, s'il te plaît, Ursula. Faut qu'on gagne de l'argent, mais j'ai surtout envie d'avoir un bon portrait de Frénégonde, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle a envie de faire pipi? Mais elle chiante! Arrête. Plus de choix. Prends une photo. Grande toile. Tu bouges pas. Parfait. Si tu te retournes, tu verras une beauté. En vrai, ça va. De face, c'est ok. J'aimerais tellement l'avoir de profil. Est-ce que tu peux... Est-ce que tu peux éventuellement bouger, non? Attends, ça va pas. On fera ça demain. Attends, viens t'asseoir. Viens ici. Oh, là ça a l'air d'être parfait. Oh là là, elle lève sa main. Hein? C'est parfait ça. Ok, c'est bon. Coucou Gorkan, comment ça va? Ça c'est parfait. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est pas divertie. Elle dort pas dans son lit. J'en peux plus, mais chacun dort pas dans sa chambre! Mais je vous ai fait des chambres, vous êtes sérieux?
Fatiguez-vous! Chacun dans son lit! C'est quoi ces histoires? Ok, c'est parfait. C'est parfait, Ursula! Mais je suis pas très très satisfaite, mais on va la garder. Au cas où on n'arrive pas à en faire d'autres. Dormir. Est-ce qu'elle peut encore niquer avec lui ou pas? Je crois pas, hein. Je crois pas qu'elle puisse encore niquer parce que lui il est âgé, je crois. Je sais pas s'ils peuvent encore forniquer. ce qui serait bien, c'est qu'ils grandissent. Oh, mais ils grandissent bientôt, dans 3 jours. Il va falloir qu'on fasse un truc. C'est qu'il faut qu'ils rencontrent du monde à l'école. Pour pouvoir. Vous voyez? Il dit qu'on voit pas le rapport. Mais non, mais je sais pas. Regarde. Ça me propose pas de forniquer avec lui. Qu'est-ce qu'il a? Il a froid. Mais un pull! Et répare ça, ça va te tenir chaud, tu vas voir. Ça, on peut les vendre, ça. Ça fera de l'argent. Je peux pas? Si je les mets dans mon inventaire. Coucou Frozen Teach, comment ça va? Allez, 2 balles. Toujours ça, hein. Ça tiendra chaud de réparer. Allez. Déjà, vous avez une belle cuisine, rendez-vous compte. Ah, c'est là qu'il faut que je mette. Putain, je suis con. Ça ramène de l'argent. Ok, essuie. Essuie, essuie.